bien joué. Chose à moitié. Aujourd'hui j'avais envie de jouer un sniper one shot mais différent du KTMR, et en l'occurrence il s'agit du MCPR 300. Le MCPR 300 est one shot si vous mettez du coup les munitions explosives 300, et ça c'est le reste de la classe du coup que j'ai utilisé hein, puisque je suis en résurgence, donc il faut quand même beaucoup de mobilité, de vitesse de visée. C'est pour ça qu'on met le chargeur 5 cartouches pour améliorer donc, tout ce qui est temps de visée, etc. Puisqu'à la base c'est un chargeur de 10 cartouches hein. On met également le silencieux pour la portée des dégâts et la vitesse des balles, ce qui nous permet d'éviter de mettre un canon puisqu'on est en résurgence, on n'est pas sur des maps gigantesques non plus, on n'a pas besoin du canon. Laser FSS Olé 5 bah, pour tout ce qui est vitesse de visée, et une crosse également pour la vitesse de visée, la mobilité. Et franchement, en termes de mobilité, c'est un régal. Je pense que c'est même mieux que le KTMR. Alors par contre, en termes de vitesse de balle, le KTMR est mieux. Hein. Franchement, le KTMR, il n'y a pas à se prendre la tête. Mais j'ai vraiment apprécié jouer avec le MCPR 300. Je trouve qu'on a beaucoup plus de mobilité. On peut beaucoup plus s'amuser. Après, le sniper pour les nuls, entre guillemets, ou le sniper pour ne pas se prendre la tête, ça restera toujours le KTMR. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Et je vous dis à la prochaine. Et je vous mets en description à la fin de la vidéo
la vidéo pour la classe de la RAM 7 que j'ai utilisée, que je vous conseille énormément, puisque c'est une arme qui ne bouge pas, qui a une bonne cadence de tir, et dont vous pouvez vous servir aussi bien en close range qu'en mid range, voire même en long range. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde, à la prochaine.